réconcilier avec ses complexes physiques. Je ne sais pas si le sujet vous parle. Est-ce que vous êtes face en fait à des complexes que vous ne pourrez pas modifier, que vous ne pourrez pas arranger, que vous ne pourrez pas changer ni transformer? Ni le sport, ni les régimes, ni la chirurgie esthétique, ni quoi que ce soit fait que ça pourrait s'arranger plus que ça. Et que finalement, la solution dans l'histoire, au lieu d'être dans de ce cheminement effréné, d'essayer de changer les choses à travers du sport de manière intense, un régime par exemple assez effréné et dur, au-delà de mettre votre corps à dure épreuve, est-ce que vous êtes maintenant à ce stade de se dire peut-être que la solution, et certainement que ça l'est, il est temps pour vous d'accepter votre corps tel qu'il est, de vous réconcilier avec votre corps. Peut-être que vous avez du mal à vous regarder devant un miroir et que l'image que vous voyez de vous n'est pas forcément beau à vos yeux. Et malgré que votre entourage vous rassure, rien n'y fait en fait. Qu'est-ce que cet atelier apporte de particulier? Cet atelier n'est pas un travail de surface. Il ne s'agit pas ici de trouver les 10 000 et une solutions de régime, de points esthétiques, des recettes miracles esthétiques. Il s'agit ici d'un travail en profondeur, un travail dans lequel vous allez chercher, vous allez voir à l'intérieur de vous-même quel est le mécanisme que vous mettez en place qui fait qu'à chaque fois, vous êtes confronté à cette image que vous avez de vous-même, qui fait que vous en sortez pas en fait de cet engrenage, comme si vous êtes pris au piège dans le fait de prendre soin de votre corps, de scruter les différents traits qu'il faut changer, de maigrir à chaque fois et de ne plus pouvoir vivre tout simplement tranquillement. C'est un travail profond sur l'image que vous avez de vous-même, sur la réconciliation avec vous-même et comment accepter et respecter votre corps au mieux en fait. Donc nous allons travailler dans cette synergie du corps, du message du corps, mais aussi du mental et de vos émotions. Nous allons travailler sur plusieurs volets. Et nous allons aussi voir, et ça c'est vraiment très très important, c'est comment faire pour changer votre référentiel inconscient au niveau de la beauté. Parce que tant que ce référentiel ne change pas, vous avez beau faire tout ce que vous voulez en surface, aller voir des esthéticiennes, entretenir votre peau, maigrir, faire tout ce que vous voulez, cela ne contribuera à rien. Ça ne changera pas. Vous êtes prisonnier de ce mécanisme-là. Vous êtes prisonnier à donner du temps, de l'énergie et aussi de l'argent à essayer de reconstituer une image que vous ne pourrez pas constituer. Pourquoi? Parce que tout simplement votre mental va puiser la notion de la beauté dans votre inconscient qui a été définie de telle façon que l'image que vous avez de vous-même ne vous satisfera pas quoi qu'il en soit. Donc il y a vraiment une urgence et une nécessité de pouvoir rétablir ça de façon tout simplement à vous foutre la paix avec tous ces complexes et enfin vous vous sentir bien tel que vous êtes. Et quand vous vous sentez bien tel que vous êtes, vous pouvez tout simplement rayonner de ce que vous êtes. Vous permettez de cette façon-là aussi aux autres de voir ce rayonnement en vous, de voir cette beauté en vous. Alors parfois on a envie de travailler sur la confiance en soi. C'est magnifique, c'est super, mais la confiance en soi réside aussi dans l'image qu'on se donne par rapport à soi-même. L'estime de soi passe aussi par la valeur qu'on se donne par rapport à soi-même. Mais cette valeur, elle n'est pas qu'intérieure. Cette valeur, elle est aussi dans l'image qu'on se donne. Pour certaines personnes qui disent, ben oui, moi le physique, tout, la beauté est intérieure et la beauté, le physique n'est pas important. Soit, c'est super, mais en ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. En ce qui me concerne, j'avais besoin de me réconcilier avec cette beauté physique en même temps et en corrélation avec la beauté intérieure. Et pour moi, ça va de pair. Ça va vraiment de pair de façon à trouver une réelle complétude à l'intérieur de soi. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Sur 2 jours, je serai vraiment heureuse de vous accompagner, de vous partager le processus et les outils qui m'ont aidé moi à être là où j'en suis aujourd'hui.